Zlatan Ibrahimovic est un personnage clivant et habitué aux sorties fracassantes. Que cela soit sur le terrain ou dans les médias. On se souvient encore quand il avait traité la France de pays de merde. Une déclaration qui avait provoqué une large polémique. Il avait été obligé de s'excuser. Arrivé il y a quelques semaines au Los Angeles Galaxy aux États-Unis, il vient de faire parler de lui à nouveau. La scène a eu lieu ce 21 mai lors d'un match contre le club canadien de l'Impact Montréal. Pendant la rencontre, il décide de gifler un de ses adversaires, le pauvre milieu de terrain canadien Michael Petrasso. Celui-ci n'a pas dû vraiment comprendre ce qui lui passait. L'arbitre a consulté l'assistance vidéo puis a décidé d'expulser Zlatan Ibrahimovic. Bonne nouvelle toutefois pour le Suédois, son coup de sang n'a pas eu de conséquences pour son équipe. Les Los Angeles Galaxy ont réussi à s'imposer. Il verra en revanche le prochain match, le 26 mai face au San José Arcade depuis les tribunes, Major League Soccer, à MLS, mai 21, 2018. Après une telle action, il vaut mieux prévenir Zlatan Ibrahimovic tout de suite. La ville de Montréal ne devrait pas non plus lui construire une statue pour le convaincre de rester.